La Commission nationale chinoise de la santé a annoncé qu'elle ne divulguerait plus le nombre de porteurs de la COVID-19 asymptomatiques et qu'elle faisait campagne pour une deuxième série de rappels pour les personnes âgées et vulnérables. Étant donné que les tests COVID-19 sont désormais effectués sur la base du volontariat, il est jugé impossible de suivre le nombre réel de porteurs asymptomatiques. Sur ce, la Commission nationale de la santé a décidé de cesser la publication de telles statistiques. En outre, la Commission lancera une deuxième série de rappels pour les personnes appartenant à des groupes à haut risque et les personnes de plus de 60 ans. 6 mois seront nécessaires entre le premier et le deuxième rappel. Les patients atteints de maladies graves et les personnes à faible immunité, entre autres, sont éligibles à la vaccination.